Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc juste pour une petite vidéo de présentation de nouveaux jeux de personnes que vous connaissez, qui n'est autre que Toplis, le papa de Medieval, de Lumberjack et de Farmer Dynasty. Alors, il n'est prévu qu'en 2022, donc ils auront largement le temps de peaufiner et de finir Medieval, je pense, avant de nous lancer peut-être dans une bêta de Wild West, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choses qui ont fuité. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce que va comporter ce jeu. Et après, je vous mettrai, vous pourrez regarder le trailer. Voilà, tout simplement. Donc, vous vous doutez que c'est au milieu du Far West. Vous êtes dans l'Amérique des années 1800, les sentiers vers l'ouest. Les colons sont déterminés à avancer de plus en plus vers le Pacifique américain à la recherche d'une ville meilleure pour les affaires ou l'aventure. Ils ont fondé des fermes, élevé du bétail, creusé pour l'or, construit des colonies et des villes. Une petite trouvaille d'or suffit souvent à attirer des centaines d'aventuriers audacieux, tandis qu'une petite colonie devient rapidement une ville florissante avec des saloons, des marchands, des jeux de hasard, des aventuriers et des pistolets. Entrez dans cette période à couper le souffle et partez à la conquête du Far West. Sortez d'un cow-boy solitaire en fondant une colonie pour devenir maire d'une ville de chercheurs d'or. Il n'y a pratiquement pas de limite à vos efforts personnels. Vous commencerez le jeu en tant qu'un cow-boy solitaire qui tombe sur un ranch abandonné et décide de rester. Vous commencerez à réparer et à agrandir. Vous ramasserez de la nourriture, vous chasserez des animaux, vous vendrez la viande, le cuir au trek des colons. Une fois que vous avez établi un ranch décent, d'autres colons peuvent alors décider de rester et demander la permission de s'installer. Vous commencerez à construire une ville avec tous ses emplacements classiques, tels qu'un saloon, le bureau du shérif, les magasins et même des hôtels. Des bandits viendront à votre rencontre et vous feriez donc mieux d'apprendre le tir et de vous défendre ainsi que le canton correctement. Alors comme ils nous disent, ils espèrent que nous trouverons une femme et un héritier pour que notre dynastie du Far West puisse durer longtemps. Alors, ça va pas trop, je trouve que ça ne change pas trop du système de Medieval, ni de Farmer, ni de Lumberjack. Simplement, ce qui change, ben, c'est qu'on va se retrouver dans le Far West et qu'on va être dans un cowboy, qu'on va être dans le rôle d'un cowboy. Voilà, donc après, au niveau du système, ben, il va falloir créer, hein, comme je vous l'ai traduit, il va falloir créer notre ville. Mais par contre, la différence est qu'il va falloir savoir jouer du pistolet, du gun, n'est-ce pas, parce que ben, on va se faire attaquer. Voilà, donc... Je n'en sais pas plus pour le moment, bien entendu, je vous tiendrai informé dès que j'en sais un petit peu plus. Pour le moment, la seule chose que je sais via Toplis, c'est ce que je viens de vous dire. Je vais donc vous laisser regarder le trailer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou avec vos petits pouces en l'air ou vos commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous hype? Est-ce qu'il vous hype pas? Est-ce que ça vous tente? Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, il n'a pas l'air mal. J'espère que ça... Bon, c'est pas tellement le dada de Toplis de nous foutre du PVP à l'appel. Hein. C'est plutôt des jeux de gestion avec du RPG. Et là, on est dans le même système. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer encore, honnêtement. Rien n'est dévoilé, mis à part le trailer qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc, moi, je savais que ce jeu devait sortir, mais on n'avait vraiment aucune info qui avait fuité. Donc, aujourd'hui, le trailer a fuité. Donc, je vous en fais tout simplement le partage. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse à le trailer. J'attends vos commentaires, vos retours. Dites-moi vraiment si ça vous hype ou pas. Ne tenez pas compte de Medieval en l'état actuel des choses, avec toutes les mâches qu'il y a eu et qui peuvent un petit peu... perdre tout le monde. On verra ça de toute façon demain. Je pense que je me mettrai en live demain pour Medieval, pour qu'on mette en place toutes les mages. Donc ne tenez pas compte de Medieval. Est-ce que par rapport à Wild West Dynasty, est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que... Voilà. Moi, j'adore le milieu du Far West, donc je pense qu'effectivement, comme j'ai fait tous les autres, Farmer comme Lumberjack et Medieval, bien sûr, je pense que celui-là, si je suis encore là, n'est-ce pas, en 2022, ben voilà, je pense qu'il sera sur la chaîne. Alors j'attends vos retours avec impatience. En attendant, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'attends vos petits pouces en l'air, vos abonnements à la chaîne, vos commentaires.
Et puis, je vous laisse avec le trailer. Allez, bye bye. Still can't get it. What on earth has brought my parents to this country? They said it was supposed to be a paradise on earth. And from my childhood, I only remember sand, dust, and fear. But now, time has come at last to take back what this land took away from me.